Bon, ouais, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va participer à une opération de nettoyage d'une rivière sur le Salat comme chaque année. Donc c'est une opération portée par plusieurs associations. Donc l'objectif c'est d'enlever le maximum de plastique, on est une cinquantaine au bord de l'eau et avant l'ouverture on va essayer de nettoyer un maximum de rivières, enlever tous les déchets que certaines personnes peuvent laisser au bord de l'eau, qui se fait emporter par la rivière, etc. pour avoir une rivière la plus propre possible. Donc on vous emmène avec nous pour cette journée de ramassage. Ah si. Ah si. Un maillot de bain. Maillot de bain. S'il y en a qui veut se baigner. Vas-y, garde-le. Je me mets où? Je me l'enfile. Il va être petit, Justin. Ça va me serrer les bonobos. Ah, ça va me serrer les bonobos. Ah là, le maillot de bain, il est enfilé. Pas mal celui-là, rien. Je vais le mettre aussi. Tout en sorteur, ça aurait comme ça. Tadam ! Je vais avoir plein de. Et un deuxième string. En pas longtemps. En pas longtemps. C'est classique. Tiens, c'est une chemise ça. Une blouse ou c'est beaucoup. Une chemise ou une blouse. Il est plein la gueule le sac. Donc comme vous avez pu le voir dans cette petite vidéo, nous avons récolté pas mal de merde qu'il y avait partout, sur la rivière, sur les berges. On a récolté 1,4 tonne de déchets sur 10 km, à ça avec 50 bénévoles, donc c'est quelque chose qui est déjà super, c'est tout ça en moins dans la rivière. Il y avait dans tout ça beaucoup de déchets agricoles. Clairement peu de déchets ménagers, de particuliers, beaucoup de déchets agricoles, des plastiques d'enrubanage, de plastiques d'ensilage, donc tout ça c'est des choses, l'agriculture a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. En tout cas, si vous voyez des déchets au bord de la rivière, des cons, il y en aura toujours pour en jeter, donc c'est aussi de votre responsabilité. Quand vous voyez des déchets, c'est votre responsabilité de les enlever, dans la mesure du possible bien évidemment, mais en tout cas moi je vous incite, et c'est ce que je fais moi la plupart du temps quand je le peux, j'en ramasse un petit peu à chaque fois. Ça permet qu'il y en ait moins, notamment les plastiques, ce qui est le plus important. Ce qui est métallique, c'est pas très grave, ça se dégradera au bout d'un moment. À part les waders, c'est pas ça qui va beaucoup polluer l'environnement. C'est surtout les plastiques le plus dangereux. Tout ça, c'est l'occasion parfaite pour vous parler de l'association River Clean. Alors River Clean, c'est une association qui a pour but justement de nettoyer les rivières et de sensibiliser les gens, notamment les pêcheurs. Donc pour ça, ils ont créé un petit sac
Voilà, un petit sac avec un petit crochet pour permettre de le prendre partout. Un sac assez solide pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois, que vous pouvez mettre, avoir partout sur vous pour ramasser des déchets qui traînent, des plastiques quand vous êtes à la pêche. Comme ça, à chaque fois que vous finissez une partie de pêche, vous avez ramassé 1 kg, 2 kg de plastique. Quand vous revenez sur vos pas, par exemple, bim, vous ramassez tout ce que vous avez vu. Et déjà, ça permet de nettoyer petit à petit des grandes zones. Donc, ils ont voulu créer un sac, donc un petit sac, voilà. Un petit sac donc assez solide, donc réutilisable, vous pouvez plusieurs fois le vider, remettre les déchets que vous trouvez, les plastiques. En tout cas, ils ont voulu créer un sac assez solide justement pour qu'il soit réutilisable. Et leur objectif, c'est qu'il soit distribué à chaque vente de cartes de pêche aux personnes qui prennent une carte pour les inciter à ramasser leurs déchets. Mais pour ça, ils ont besoin de financement. Donc il y a déjà une partie qui a été récoltée, mais ils ont besoin encore de récolter pas mal de fonds pour pouvoir lancer la production et pour pouvoir le distribuer à un maximum de personnes. Donc si vous voulez soutenir le projet, en tout cas vous pouvez faire un don, je vous mettrai un lien dans la description. Et surtout, je vous invite au moins à suivre leur page Facebook où vous pouvez être informé et vous verrez tout ce qu'ils font pour la protection de nos rivières et surtout le nettoyage de tous ces déchets. C'est une initiative que je soutiens, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il faut protéger nos rivières. À part les pêcheurs, il n'y a plus grand monde qui s'en occupe, malheureusement. Donc c'est vraiment à nous tous, c'est nous qui sommes au bord de l'eau, c'est nous qui les voyons, ces déchets, c'est nous qui sommes premiers usagers de la rivière et même des milieux aquatiques. Donc ramassez les déchets quand vous le pouvez. Voilà le conseil que j'aurai à vous donner. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.